Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 28 février, deuxième dimanche de carême. Trois invités dans notre émission, tout d'abord Jean-Frédéric Poisson, donc président de Via la Voix du Peuple, à propos de la loi contre le séparatisme, qui a été votée le 16 février dernier, en première lecture à l'Assemblée nationale. Ensuite, monsieur l'abbé Claude Barthes, qui viendra dresser un bilan des ordinaires sacerdotale de Français sur l'année 2020, puisque nous sommes en 2021, nous avons les chiffres pour 2020. Et enfin, Jean-Damien Bouillet de Sage Distribution à propos d'un film que Sage est en train de distribuer aujourd'hui sur Saint-Augustin. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Donc vous êtes président de Via la Voix du Peuple, l'ancien parti chrétien démocrate. Nous avons souhaité vous rencontrer pour parler de la loi contre le séparatisme. Alors quel est le contexte et quel est le but affiché de cette loi ? Le contexte, c'est celui de l'attentat terrible contre le professeur Samuel Paty à l'automne dernier, puis de l'attentat de Nice. La volonté, c'est de combattre ce qui est présenté par le pouvoir en place comme l'ennemi fondamental, c'est-à-dire le séparatisme, on devrait dire les séparatismes, parce que paraît-il, il y en a plusieurs. Moi, je n'en connais qu'un, mais il y en a plusieurs. Maintenant, ça, c'est l'intention qui est affichée. Je pense que le vrai motif est plus grave que ça. Il est camouflé, comme souvent. Il a été d'ailleurs révélé par le ministre de l'Intérieur sur une chaîne de radio il y a quelques jours. Il protestait contre le fait que des imams ne souhaitaient pas signer la charte qui est proposée, comme vous le savez, aux musulmans de France, ou aux Français musulmans plutôt, en disant « moi je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui considère que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République ». Eh bien, il faut dire au ministre de l'Intérieur que pour tous les croyants du monde, la loi de leur Dieu est supérieure à la loi de leur État. Il faut s'entendre sur ce que veut dire supérieur, ça ne fait pas d'eux des désobéissances structurelles, ça veut dire que leur conscience va chercher ailleurs que dans les lois civiles le guide de leur action et le contenu de leur cœur. Et il faut que ça reste ainsi, donc je crois qu'il y a à la fin des fins, sous couvert de vouloir se battre contre le séparatisme islamique ou musulman, ce qui est très mal fait, on va y revenir je suppose, en fait on voudrait bien arraisonner les religions parce que dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, la religion est le mal absolu et le fauteur de tous les troubles et c'est ça qui est visé. – Alors justement, concrètement, quelles sont les mesures annoncées dans ce projet de loi ?– Ah, il y a 70 articles, alors on ne va pas avoir le temps de les détailler toutes, ça irait d'ailleurs assez vite parce que vous savez, il y a le rappel de l'interdiction de la polygamie, il y a le rappel de l'interdiction des mariages forcés, il y a le rappel des luttes contre les discriminations, il y a des tas de choses qui existent déjà dans la loi pour beaucoup d'entre elles, donc ce n'était pas la peine de les rappeler. La loi ne peut pas servir à rappeler que la loi doit s'appliquer, si vous voulez, pour dire les choses en souriant. La principale disposition que je vois, c'est, il y en a en fait deux, pardon, les deux principales. La première est terrible, c'est la limitation de la liberté d'éducation, puisque l'enseignement à domicile va être très contraint par ces dispositions. D'ailleurs, là encore, on écrase une mouche avec une bombe nucléaire, parce que ça représente quelques milliers d'élèves à qui il faudrait surtout laisser la paix. Ça a été dit dans les débats publics, d'ailleurs, dans les débats à l'Assemblée, la vraie cible, c'est l'enseignement hors contrat, parce que on s'est étonné du fait qu'on attaque l'enseignement de suicide, pas d'enseignement hors contrat. C'est ça qui est gênant. Passons. Il y a une petite avancée sur le contrôle des associations cultuelles et l'obligation qui va être faite pour un certain nombre d'associations aujourd'hui de loi 1901, qui sont des écoles coraniques ou des centres d'exposition qui camouflent des mosquées ou des centres religieux, de se conformer au régime des associations loi 1905 maintenant, ou 6 même, d'associations cultuelles, c'est-à-dire celles qui régissent des activités religieuses en général. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle vraiment sur ces associations. Voilà, il est rappelé qu'une association religieuse ou cultuelle doit se conformer au régime adéquat. Là encore, il suffisait d'appliquer la loi existante, mais voilà quelles sont les principales dispositions. Alors, avec un contrôle sur le financement étranger qui commence à se faire. – Toutes les confessions religieuses, la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France, se sont opposées à ce projet de loi. Pourquoi ?– Oh, pour une raison simple. Une des dispositions prévoit qu'une association cultuelle verra son agrément révisé tous les 5 ans. Tous les 5 ans, oui. Et il pourra être suspendu par décision préfectorale. Autrement dit,
Si le préfet de votre département considère que vous avez fauté, faudrait-il savoir par rapport à quoi et comment ? Eh bien, il pourra vous retirer votre agrément, ce qui vous interdira simplement d'animer la communauté religieuse ou l'activité religieuse que vous avez en charge par le biais de cette association. Ce qui place toutes les communautés de croyants dans une incertitude et dans une espèce de fragilité, évidemment, qui n'est pas compatible avec une action de long terme, et en particulier ce que nous connaissons, nous, chrétiens en France, ainsi que nos cousins de confession judaïque. Depuis très longtemps, nous sommes implantés dans les mêmes lieux, dans les mêmes églises, dans les mêmes paroisses, avec le même réseau, etc., depuis des décennies, voire des siècles. Donc tout ça fragilise des communautés qui étaient installées, qui n'ont rien contre l'État ou la République en particulier, qui voudraient surtout qu'on les laisse tranquilles et pouvoir continuer à transmettre leur foi comme elles le font depuis très longtemps. Elles sont fragilisées parce que demain matin, alors tout ça sera contestable sans doute, j'imagine que des procédures pourraient permettre de contester les décisions de rupture d'agrément, mais enfin, nous sommes face à une agression délibérée de l'État sur la liberté religieuse, parce que, vous savez, de la même manière qu'après la guerre, un certain nombre d'esprits éclairés nous ont fait croire que la guerre c'était la faute des nations, donc il fallait supprimer les nations. On a essayé de supprimer les nations, ça marche pas mieux. Donc maintenant on change d'ennemi, on dit bon, ok, on a compris, c'est pas seulement les nations, c'est les religions. Donc on va essayer d'éradiquer le fait religieux de la vie sociale parce qu'on considère qu'en l'éradiquant, on retrouvera la paix. On ne retrouvera rien du tout. Et au passage, les croyants que nous sommes, mais pas seulement nous, les croyants, tout le monde, verra sa liberté de croire et de s'associer réduite. Un des leitmotifs de ce projet de loi, c'est la référence aux valeurs républicaines. Alors sont-elles définies, d'une part, et d'autre part, n'y a-t-il pas le risque à terme qu'au nom du respect des valeurs républicaines, il soit interdit à un prêtre, mais aussi à un imam, de prêcher contre le mariage homosexuel ou l'avortement? Mais moi, je serais plus à l'aise si on parlait de principe républicain, au moins on saurait ce que ça veut dire. Le propre d'une valeur, c'est qu'elle est changeante, c'est que c'est un élément variable. Je ne sais pas très bien ce que c'est, moi, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'ai compris que la liberté consistait à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, que l'égalité n'empêchait pas qu'on traite des personnes de manière différente quand elles sont dans des situations différentes, et que la fraternité se fait par la redistribution que l'État opère de nos contributions vers ceux qui en ont besoin. Ok. Quel est le contenu philosophique de ça? J'ai du mal encore à cerner ça, mais de toute façon, la République a toujours voulu rester dans une forme de neutralité philosophique sur ces questions, parce que définir la liberté, l'égalité, la fraternité, ça voudrait dire qu'il y a une vérité sur l'homme. Ça voudrait dire s'engager sur cette vérité. Et ça, évidemment, ça peut devenir très gênant. Donc oui, il y a une fragilité du fait que ces valeurs qu'on érige comme des idoles, au fond, ne sont jamais très clairement identifiées. Et donc on pourra reprocher à quiconque demain de ne pas avoir respecté ce qui n'est pas identifié en prêchant ou en enseignant des choses qui sont contraires à cela. Après, je crois qu'effectivement, cette ambiguïté va compliquer la tâche de ceux qui veulent continuer à dire en vérité ce qu'ils pensent de l'évolution du monde et de situations morales que touchent les sujets de société. Je pense qu'il restera malgré tout la référence à la liberté d'expression et que ça nous promet au moins des contentieux devant les instances judiciaires françaises très très longs, très denses, très volumineux. Et je ne pense pas que l'État s'en sorte grandi. Et je crois que cette loi sur le séparatisme est inutile pour les raisons que j'ai dites. Elle est dangereuse pour les raisons que j'ai dites. Et elle se retournera contre ses auteurs parce que ce n'est pas comme ça qu'on combat l'islam conquérant. – Alors selon vous, est-ce qu'il suffit d'appliquer la législation en vigueur ou est-ce que une loi différente, et quelle serait-elle d'ailleurs, devrait permettre d'aider à résoudre ces difficultés ?– Il y a d'abord toutes les questions périphériques qui sont posées et sur lesquelles les Français doivent trancher. Il y a la question des politiques migratoires, il y a la question de la destination des aides sociales, il y a la question de l'autorisation de séjour sur le territoire français, il y a la question du regroupement familial. Tout ça doit être mis en question parce que tout ça alimente une contestation religieuse qui s'incarne dans l'islam conquérant, c'est-à-dire la volonté des États musulmans d'imposer à la France une loi qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire la charia en l'espèce. Je pense qu'on se trompe beaucoup, on prend le problème par le mauvais bout. Une fois qu'on a fait tout ça, alors il faut contrôler les associations, les obliger à se mettre sous régime de loi 1905 plutôt que 1901, j'ai écrit ça dans un livre que j'ai fait sur l'islam il y a maintenant un peu plus de 2 ans,
je suis à l'aise vous avec étiez ces dispositions. Absolument. Mais au fond, on se dit, on va contraindre les musulmans et on va laisser l'islam tranquille. C'est-à-dire qu'on va leur dire, alors vous devez vous engager à faire des tas de trucs, vous ne devez plus croire ça, vous ne devez pas vous habiller comme ça, ou bien vous devez vous habiller comme ça, vous avez le droit d'aller à tel endroit, pas à tel endroit, etc. Donc on contraint la pratique quotidienne des musulmans, mais on laisse de côté, on laisse tranquille le système dans lequel ils croient et qui les nourrit. Mais il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire il faudrait assumer une critique intellectuelle de l'islam comme système politique et religieux, le passer au crible de la critique rationnelle, comme d'ailleurs les écritures saintes juives et chrétiennes ont été passées elles-mêmes au crible de la critique, et Dieu sait que rien n'a été épargné. – Non. Voilà, on n'est d'ailleurs pas tout à fait complètement sorti, mais tant mieux, ça fait partie aussi de la confrontation des croyants, et il faut passer l'islam à ce crible-là. Historique, théologique, philosophique, morale, politique, sociologique, il faut y aller. Et petit à petit, se dire, ben voilà, les musulmans… Ils sont comme nous tous, ils ont le droit de vivre dans un pays où, dont ils respectent l'ordre et puis d'exercer le droit que leur conscience leur indique d'exercer. Ça me va bien. Il faut simplement s'attaquer, si j'ose dire, ou en tout cas prendre la peine, faire le travail nécessaire pour que ce qui nourrit leur foi soit critiqué et constaté. Ça n'a jamais été fait, ou du moins pas de manière systématique, c'est fait de manière sporadique. En Amérique du Nord, en Allemagne, un peu en France… mais ça n'a jamais été fait de manière globale. Il faut le faire de manière globale pour, d'une certaine manière, assécher la racine et puis, par ailleurs, faire une œuvre de vérité et de science à l'égard de ce qui nourrit la foi de ces personnes. – Eh bien, merci beaucoup de ce programme d'œuvre de vérité et de science et de ces éclairages. – Merci. – Merci infiniment. Bonjour Monsieur l'Abbé. Bonjour. En ce début d'année 2021, nous disposons des chiffres des ordinations sacerdotales pour l'année 2020. Une étude détaillée a été publiée sur le site lavéritédeschiffres.net. Et puis j'en ai également fait une petite analyse dans un article intitulé « Nouvelle baisse des ordinations sacerdotales en 2020 ». Alors vous avez regardé ce site, consulté ces travaux. Quels sont les principaux enseignements ? Il faut dire que c'est un site très intéressant. Très intéressant. Pas uniquement sur les questions de… Précis, détaillé. Voilà, c'est très bien. On mettra l'adresse. Alors, quels sont les enseignements de ces travaux ? C'est une confirmation que le nombre des ordinations annuelles stagne ou baisse même cette année, puisqu'il y a 91 prêtres français ordonnés cette année dans tous les diocèses de France, ce qui fait très peu, compte tenu, ça fait un prêtre par diocèse à peu près, si on compte tous les diocèses, y compris ceux de… avec 46 prêtres pour les diocèses et 45 qui ne sont pas vraiment des diocésains, mais qui sont rattachés à des fraternités, à des instituts, voire à des associations comme les prêtres de l'Emmanuel. Et dans tout ça aussi, une bonne tenue des prêtres de la communauté Saint-Martin, qui sont évidemment très classiques, et qui vont avoir l'année prochaine 27 ordinations, mais on en reparlera peut-être, qui est un chiffre fort, mais sans doute le plus fort. Voilà, donc c'est évidemment très inquiétant et très angoissant. Par quelques diocèses qui tiennent encore la route, comme Paris, Versailles, Toulon, pour des raisons différentes d'ailleurs, certains diocèses n'ont aucune ordination. Vous allez me demander de parler la semaine prochaine du livre de l'abbé Duchéron, oui, qui est un prêtre du diocèse d'Incarnier, enfin qui est dans le service diplomatique du Saint-Siège, mais qui a été ordonné dans le diocèse d'Auch. Lorsqu'il a été ordonné, il y avait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'ordination dans le diocèse. Et je pense que cette ordination a été, je crois, la dernière. Donc depuis 10 ans à peu près, il n'y a plus d'ordination dans le diocèse. C'est chose terrible. Et beaucoup de diocèses sont dans cet état. – Alors, à titre d'information, donc on a 91 ordinations de prêtres français. En 1965, donc à la fin du concile, on en avait 646. Voilà, et au début du siècle, on en avait 1700. – Oui,
oui, pour voilà. les prêtres séculiers français. Oui, la première grande baisse, mais enfin qui n'a rien à voir avec la baisse actuelle, qui est une baisse de la faim, la première grande baisse a été après, du moins dans pas mal de diocèses, pas tous, après la séparation de l'Église et de l'État, lorsque les prêtres n'ont plus eu le même statut social et surtout financier. – Voilà, il faut lire le livre extraordinaire de Paul Vigneron, oui. « Les crises du clergé français contemporain ». Voilà, il explique ça de manière extraordinaire. Alors, autre question, pourquoi ces chiffres sont-ils un petit peu différents de ceux donnés par la Conférence des évêques de France ?– Parce que il faut dire que la méthode de calcul n'est pas exactement la même. La conférence avait un total de 126 ordinations, oui. mais elle compte les prêtres étrangers ordonnés en France. Qui vont retourner dans leur pays d'origine. Alors c'est vrai que certains restent un ou deux ans, il y a une espèce de contrat, puis après ils reviennent. Non, en réalité, excusez-moi, le site a raison, c'est la même chose, ils n'ont pas fait les choses comme il faut. Mais les chiffres sont tellement bas, si vous voulez, que très peu de choses peuvent faire qu'ils changent. Donc en fait, évidemment, comme ça change pas mal, de 126 à 91, c'est une différence notable. Ils intègrent maintenant, dans les chiffres de la Conférence épiscopale de France, quelques traditionnels. Pas tous, justement. Et là aussi, c'est très compliqué, puisque moi je m'intéresse aussi à ces chiffres et à la comparaison entre les traditionnels et les non-traditionnels. Ces traditionnels sont... quelques-uns viennent de diocèses, Toulon par exemple, mais la plupart viennent d'instituts qui sont théoriquement des instituts religieux, on va dire entre guillemets, en tout cas qui sont des instituts de vie consacrée. Et pourtant, il est logique de les comparer aux prêtres des diocèses parce que ce sont des quasi-diocésains. Mmh. Ce sont des gens qui seraient diocésains si les dans choses... – Dans une situation normale. – Dans une situation normale. Donc on est toujours tous obligés à faire quelques interprétations, mais la correction de la vérité des chiffres est très juste. – Voilà, je crois qu'on peut résumer en disant la vérité des chiffres, ce sont les prêtres français, oui. et la Conférence des évêques de France, ce sont les prêtres ordonnés en France. – C'est ça. Voilà. – Alors quelles sont les perspectives d'avenir? Va-t-on vers une église sans prêtres? Logiquement, oui. Logiquement, on est déjà dans un somme de diocèse, dans une église sans prêtre. C'est vraiment tous les diocèses ruraux sont quasi, parce que c'est une crise, cette crise sacerdotale, d'après le Concile, qui a touché ce qu'était devenu le recrutement sacerdotal, un recrutement rural, pour diocèses ruraux et essentiellement. Hein. Ça a été la grande transformation à partir de 1905, à partir de la séparation. Dans les diocèses, et ce recrutement a disparu. Disparu totalement. Ce qui reste, c'est un recrutement de ville, un recrutement plus bourgeois, on va dire, d'un catholicisme plus bourgeois, qui est beaucoup plus étroit. Plus traditionnel aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est assez effrayant. La vérité des chiffres rappelle aussi une enquête qui a été faite par La Croix il y a déjà un certain temps, en montrant, diocèse par diocèse, combien de prêtres avaient été perdus en, je ne sais combien, entre 2010 et 2020, par diocèse. Parce que, si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a peu d'ordinations, il y a encore des départs, il faut le savoir, et il y a surtout des décès, puisque l'âge des prêtres moyens ne cesse de s'élever. – Voilà, 75 ans de moyenne d'âge. – De moyenne d'âge, donc il y a tous les ans beaucoup de diocèses, les pauvres évêques passent leur temps à aller enterrer des prêtres. – Alors j'avais trouvé le secrétaire de la Conférence des évêques de France, il y a quelques années, avait donné le chiffre de 800 décès par an. Donc on a 90 ordinations et on a 800 décès. Voilà. Donc vous imaginez le solde de 700 en moins par an, ça va très vite. – Le solde en prêtre, oui. Le solde en paroisse. – Le déficit. – Le déficit, oui. Puisque chaque mois, on peut dire qu'on ferme des églises en France. Lorsque la Conférence épiscopale de France, dans ce dossier qui a fait parler beaucoup de lui, nous dit que les traditionnels ne sont pas missionnaires. Mon Dieu, quand on regarde ce qui se passe dans les diocèses, qui ne font que réduire non seulement leur surface en prêtres, en assemblées qui se réduisent, mais aussi tout simplement en églises. Les églises ferment. Quel regard posent sur ces chiffres qu'ils connaissent les évêques de France? Comment est-ce qu'ils analysent ça? Hélas. Et là, je crois qu'ils ne posent pas de regard. Enfin, s'ils posent un regard, mais il n'y a pas de, qu'on sache, de réflexion de fond sur cette question, d'analyse de la situation, de recherche de solutions. Pour dire vrai, l'Église de France est à ce point, aujourd'hui,
où elle gère, on dit, non pas la crise, mais la faillite. Et ce qui se passe dans les diocèses se passe au niveau global. Ce qui se passe dans les diocèses, c'est qu'on... Ben voilà, on n'a plus de prêtres, donc on réduit le nombre de paroisses, on bouche les trous, le vicaire général désormais va être curé, et ainsi de suite. Et voilà. Mais on ne se dit pas, bon, que s'est-il passé, que se passe-t-il, que pouvons-nous faire ? Alors, quel regard jette-t-il, l'enquête de la vérité des chiffres le manifeste, sur le fait que 20% de ces ordinations sont consacrées à la célébration de la forme extraordinaire du rite romain, alors qu'on peut estimer que les fidèles de la forme extraordinaire du rite romain, c'est peut-être 4-5% de l'ensemble des pratiquants. Oui. Bon, d'abord, sur les chiffres, vous dites 20%, vous avez raison. Mais vous auriez raison aussi si vous dites 15%. Si vous voulez, on peut discuter hein, sur les, là aussi, parce que les chiffres sont tellement étroits que... Mais supposons, hein, oui. même plus bas, c'est quand même énorme. Il faut dire crûment, ce qui se passe dans le monde traditionnel par rapport au nombre de paroissiens, enfin de gens qui assistent à cette messe, et leur fécondité, comme on dit, entre guillemets, est la même qu'avant le Concile. Pour eux, c'est comme si le Concile n'avait pas eu lieu. Ce qui est assez éclairant. Donc, quel regard porte-t-il ? Ça, on le sait, parce qu'il y a ce fameux document oui. De la conférence épiscopale, cette synthèse de l'enquête qui a été faite par Rome et qui demandait justement comment se passaient les choses pour le Mudo Brio. Ben, leur regard, d'abord, ils minimisent, ils veulent minimiser. C'est-à-dire qu'ils donnent des chiffres qui ne sont pas vrais, ils comprennent pas, ils veulent pas savoir. Pas tous. Hein. Quand on dit les évêques, c'est là aussi, il faudrait quand même préciser qu'il y a des évêques qui, notamment pour en venir à ce document de la Conférence épiscopale de France, il y a eu des réactions internes très fortes. Les évêques qui disent attention, on n'a pas dit ça, enfin nous, on a été, bref. Il n'empêche donc qu'ils essayent de réduire, ils donnent des chiffres qui ne sont pas vrais, qui sont trop bas, et ils ne voudraient pas que ça c'est même s'il y a des vocations, même. Ça leur, c'est autre chose qu'eux, donc ils n'en veulent pas. Il y a vraiment une chape idéologique et donc un regard idéologique. Si vous voulez, c'est un peu comme ce qui se passe dans la suppression de ces séminaires qui fonctionnent bien. – Voilà, en 2019, pour nos téléspectateurs, deux séminaires ont fermé, le séminaire de Bordeaux oui. et le séminaire de Lille. – Je voulais parler, pardonnez-moi, des séminaires traditionnels dans le monde, Saint-Raphaël oui. et autres, où des enquêtes romaines font qu'on ferme le séminaire, ou bien une congrégation qui voit, on fait une enquête parce que c'est assez suspect, il y a du monde. C'est idéologique, parce que la vue est traditionnelle. La ligne de ces choses-là, on préfère la mort, en réalité. Il y a quelque chose, de ce point de vue-là, je ne suis pas complotiste, je ne vois pas le diable partout, mais le diable il y est. Il y a quelque chose quand même de diabolique dans cette chape idéologique qui fait qu'on est dans une situation d'impasse et on ne cherche pas de voie pour en sortir. Merci de ces explications qui sont aussi, je pense, une intention de prière pour nous, pour l'Église de France et pour les prêtres. Merci, monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Damien Mouillet. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable du marketing et de la communication de Sage Distribution. Alors quelle est la vocation de Sage Distribution ? Alors sa vocation première est avant tout d'évangéliser à travers le cinéma. Et sa vocation effectivement c'est de pouvoir distribuer des films, comme son nom l'indique, Sage Distribution. Donc on rachète les droits de certains films et pour pouvoir les diffuser en France. Alors concrètement, vous les diffusez par quel biais ? Alors on les diffuse soit par DVD, comme Saint-Augustin, ce qui m'amène aujourd'hui, ou le cinéma, en ce moment c'est un peu compliqué, oui. Le cinéma, vous imaginez bien. Et puis également un nouvel outil qu'on vient de sortir, qui est une plateforme de VOD, une sorte de Netflix chrétien, qu'on a sorti mi-décembre, et qui est accessible désormais, qui s'appelle lefilmchrétien.fr, et qui est accessible pour tout le monde. À partir de 6,99 €. Donc j'invite vraiment vos téléspectateurs à pouvoir aller voir Le Film Chrétien, cette magnifique plateforme. – Alors, nous nous voyons aujourd'hui pour parler d'un film que vous venez de diffuser, que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, sur Saint-Augustin. Alors, quelle est l'origine de ce film, puisque vous dites que vous distribuez, donc je suppose qu'il y a un producteur, d'où vient ce film ?– Alors ce film, son origine est italienne.
C'est la télé italienne Rai qui est pas du tout à son premier coup d'essai. Ils font énormément de films sur dessin. Et là, c'est une coproduction italienne, allemande et polonaise avec un réalisateur canadien, Christian Duguay, qui a fait un film notamment qu'on distribue qui s'appelle P12. Il a fait Japlou, il a fait Belle et Sébastien. Ah, c'est lui qui a fait Japlou. Oui, exactement. Donc il a fait énormément de films et notamment ce film-là. Il a fait également un téléfilm sur Jeanne d'Arc. Donc c'est un monsieur qui a fait ce choix de parler de Saint-Augustin en 2009. Il est sorti en Italie, il a fait plus de 7 millions de vues, 26% de part d'audience quand il est sorti en Italie en 2010. Donc vraiment un film qui a rencontré son public et nous l'espérons va pouvoir rencontrer son public en France. Alors quelle est la trame de ce film en particulier par rapport aux confessions, puisque quand on parle de Saint-Augustin, pour nos téléspectateurs, ils pensent d'abord aux confessions. Est-ce que ça suit la trame des confessions? Est-ce que c'est différent? Alors effectivement, il y a une voix off tout au long du film, ça se passe en deux parties, de 100 minutes chacune, une heure et demie. Et en fait, Deux fois une heure et demie, donc trois heures de film. Exactement. On en a donc, pour son argent. Exactement, et les confessions, en fait, sont la voix intérieure, la voix off, qui vont en fait dérouler pendant tout le film. Donc on va suivre en fait Saint-Augustin et voir son cheminement intérieur, son cheminement de conversion, son cheminement vers la vérité. Donc c'est très intéressant parce que il est le premier à avoir fait ça, d'autres le suivront derrière, c'est-à-dire ce style littéraire des confessions. Et vraiment, on le retrouve vraiment dans le film et ça nous permet en fait de voir son basculement, parce qu'il faut savoir que Saint-Augustin a eu une vie un petit peu compliquée. Décousue, dirons-nous. et ce qui va lui permettre, en fait, pour le téléspectateur, de voir la bascule qui va s'opérer, notamment au contact de sa mère, Sainte-Monique, et au contact de l'évêque de Milan, Saint-Ambroise. Donc, en fait, il y a trois saints qui vont, en fait, se faire une partie de tennis dans la conversion de Saint-Augustin. Et vraiment, c'est très intéressant de voir cette bascule qui va s'opérer tout au long du film. Voilà, on a trois saints pour le prix d'un. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, à la vision de ce film? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et puis, qu'est-ce que ça peut apporter à nos téléspectateurs aujourd'hui? Parce que là, c'est quand même au IVe siècle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Alors, première chose, ce qui est intéressant, c'est la présentation d'un contexte historique. Et ce contexte historique, c'est la chute de l'Empire. Oui. C'est-à-dire que Saint-Augustin meurt en 430, la chute de l'Empire romain, c'est 476. Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, et ce qui permet en fait de vraiment planter le décor, d'avoir ce contexte historique qui est vraiment planté. Et moi, ce que j'en ai retenu personnellement, c'est vraiment un film sur la vérité, c'est-à-dire que Saint Ambroise, en permanence, lui dit « Cherchez vraiment la vérité au fond de vous, et la vérité est une personne, et cette vérité, c'est Jésus-Christ. » Et Saint Augustin, en fait, va lutter, il va être en combat spirituel, et au fur et à mesure, je laisse le spectateur découvrir ça, va cheminer vers une vraie conversion. Voilà, et on voit en particulier au début du film, dans ses conflits avec celui qui est son maître, à un moment donné, Macrobe, qui dit « il n'y a pas de vérité, le but c'est de convaincre les gens et de gagner de l'argent, et quelles qu'en soient les conséquences ». Il a cette très belle phrase, là je note, avec Saint Ambroise, « l'homme ne trouve pas la vérité, il doit se laisser trouver par elle ». Donc je crois que c'est d'une grande actualité. – Exactement, vous avez raison, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Saint-Augustin était avocat, et donc il mettait vraiment en avant son éloquence, et surtout ce culte du mot, sans chercher pour autant la vérité. Et Saint-Ambroise vraiment va faire cette bascule-là intérieure chez Saint-Augustin, et c'est ça qui est très intéressant tout au long du film, c'est ce cheminement intérieur que l'on perçoit. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé aussi? Moi, j'ai été très marqué par la personnalité de Sainte-Monique. Magnifique, relation magnifique entre sa mère et son fils. C'est-à-dire que Saint-Augustin lutte parce que Sainte-Monique est pieuse, elle prie pour la conversion de son fils. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu souvent a des clins d'yeux, si je puis me permettre, c'est que la conversion de Saint-Augustin se fait à l'âge de 33 ans. Et Sainte Monique avait ce doux rêve de pouvoir voir de son vivant la conversion de son fils et le baptême de son fils. Un passage magnifique dans le film, le baptême de Saint Augustin.
Et là, cet échange, j'ai noté avec lui, parce qu'il se pose beaucoup de questions, puis au final, il lui demande, mais après tout, qu'est-ce que tu veux? Et elle lui dit, j'aimerais que tu trouves le bonheur. Et elle sent bien que la vie qu'il mène, alors il vit avec une femme, il en a un fils, Adéoda, qui va mourir pas très âgé, et il n'est pas heureux, il est insatisfait. Et cette satisfaction, il la retrouvera avec le Christ au moment de sa conversion. C'est vrai que de manière purement non verbale, c'est vrai qu'on voit là, même une conversion du bonheur. Vous avez raison, saint Augustin en fait est triste dans la première partie. Et au moment de sa conversion, il rayonne d'une vraie foi. Alors concrètement, comment peut-on faire pour voir ce film? Alors au cinéma, ça n'a pas l'air très possible. Peut-être pour l'acquérir en DVD ou pour aller sur la plateforme dont vous nous avez parlé. Alors, comment s'y prendre ? Alors effectivement, le DVD sera disponible fin février, à partir du 26 février. Il sera disponible sur la boutique sage.fr. Donc j'invite chacun à pouvoir se procurer à travers ce biais. Et également sur notre plateforme, lefilmchrétien.fr, où là il sera également disponible à l'achat et à travers un abonnement également fin février. Merci infiniment. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet élément, à fait, cette source d'information pour acquérir ce film qui m'a vraiment passionné. Augustin! Je vous attendais. Je suis contente de te voir. Comment allez-vous? Aujourd'hui, ça va. Pourquoi aujourd'hui? J'ai fait un rêve la nuit dernière. Je me tenais debout sur une règle de bois. Je sanglotais. Ensuite, j'ai vu un jeune homme qui venait vers moi. Il a souri et m'a dit « Pourquoi pleures-tu ?»« Pour mon fils », ai-je répondu. Il m'a regardé et m'a dit « Regarde bien. Ne vois-tu pas qu'il se tient là où tu te trouves ?» Je me suis retournée et je t'ai vu, debout sur la même règle, là où je me trouvais. Un jour, nous serons unis tous les deux dans notre foi. C'est ce que signifie mon rêve. C'est pour cela que je vais bien aujourd'hui. Alors vous allez bientôt devenir manichéenne? Non. Cet homme ne m'a pas dit « tu te tiens là où est ton fils », mais « ton fils se tient là où tu es toi ». Je suis bien là où je suis. Tu gâches le talent que Dieu t'a donné. Dieu n'a rien à voir là-dedans, je l'ai cultivé par mes propres efforts. Un homme ne se crée pas lui-même, et il ne se suffit pas non plus à lui-même. C'est ce que vous croyez. Non, nos cœurs le disent. Vos prêtres vous le font croire. Vos prêtres vous font croire que vous avez besoin de Dieu. Mais où est ce Dieu? Vous ne pouvez voir ce Dieu ni l'entendre. Qu'est-ce que cela implique? Que vous soyez tous obligés de demander de l'aide, et à qui? À eux, aux prêtres, qui tiennent vos âmes dans la paume de leurs mains. Je signale également, nous aurons l'occasion d'y revenir, dans l'actualité de la vie de l'Église, donc la démission il y a quelques jours du cardinal Sarah de son poste de préfet de la Congrégation pour le culte divin. Nous avions eu l'occasion de l'accueillir sur ce plateau il y a quelques mois et je vais vous en proposer quelques bons moments. Je crois que l'unique manière de réformer l'Église aujourd'hui, c'est que chaque chrétien redécouvre sa vocation. Et notre vocation à tous, c'est la sainteté. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Il ne s'agit pas d'échanger des formules, des programmes, d'échanger les structures. Il faut changer les hommes. Il faut que les hommes retrouvent Dieu. Et on retrouve Dieu chez nous les chrétiens qu'en regardant la croix. Je vous remercie. Nous nous retrouverons donc ensuite le 7 mars prochain pour cette prochaine émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.